이게 뭐든 주소뿐이에요. Plus fort qu'il faut le jeter. Ah, là, là. Donc ça, il casse bien et puis. Attends, c'est pas il fera un chat. À la fin, vous passez par dans le bois et vous prenez votre capitaine. Voilà, c'est bon. Non mais c'est pas la peine. Les foulées rotelloises pour arriver
au hall où le président a dit qu'il était satisfait de sa journée parce qu'il avait fait le plein, comme il a dit, et même refusé, si ma mémoire est bonne, monsieur le président, une quinzaine d'inscriptions pour aujourd'hui. Donc, ça veut dire quand même que les conditions d'accueil, c'est une chose, mais c'est la dynamique aussi du. La dynamique de la société qui fait qu'on a un concours qui est de qualité ou pas de qualité. Et je crois que depuis plusieurs années, les résultats sont là, puisque vous voyez, on a des champions de France d'ailleurs, on doit rendre un honneur à un club particulier, parce que nous ne suivons pas, on l'a demandé, et vous aussi. Et je crois que. Vous vous donnez du mal, il y a des gens qui sont à l'intérieur de qualité, vous avez des archers qui sont, on les voit avec les niveaux qui sont atteints aujourd'hui, de bons niveaux et de très bons niveaux, ce qui fait que Rotel a une réputation très intéressante dans ce domaine-là, et comme je le disais tout à l'heure, le sport à Rotel, ce n'est pas un vain mot aujourd'hui, et je voudrais encore une fois féliciter tous ceux qui s'en occupent, en particulier bien sûr la présidente de l'EMS et l'adjointe de la ville de Rotel, puisque une grande partie de tout ça lui revient, pour ne pas dire la totalité, puisque les délégations d'un maire, quand on a quelqu'un qui s'en occupe parfaitement, je peux vous le dire qu'on les donne en totalité. Et ça, je ne le regrette pas, parce que le résultat est là aujourd'hui. Alors, je voudrais vous féliciter, tout le président de l'association, bien sûr, les organisateurs, les bénévoles, et puis, bien sûr, tous ceux qui ont participé, les archers qui ont participé, en espérant vous voir l'année prochaine, et entendre encore une fois le président dire c'est désolant, je n'ai pas pu prendre tout le monde, donc ça veut dire que le succès sera encore là. Bien à vous, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis on va remettre à tous ces gens qui ont mérité, bien mérité aujourd'hui, les lots qui ont sauvé. En tout cas, merci et félicitations. Je ne vais donner que les trois premières.
Le deuxième de Jean-Cher Gérald de Prignogois, 5,48. Et Guillaume Vincent de Bourbonon, 5,38. On va faire les dames. Seigneur dame, arc classique. Maroto Isabelle de Carignan, 5,26. Deuxième de Nancel Audrey de Montigny-sur-Bois, c'est dans le Pas-de-Calais. Oui, oui.